dernière fois, c'était un curry. Un confessionnal. J'ai confessé avoir tué un homme d'une balle dans la tête. Tu sais pas ce qu'il me dit, l'autre? J'attendais tout sauf ça. Il me dit qu'il me comprend. Qu'il a été soldat pendant la guerre. Et que lui aussi, il a tué des gens par dizaines. Mais toi... Si je te raconte, tu vois... Toi aussi, tu vas te la porter, ta croix. Parce que t'as une gueule de victime. Un corps de victime. C'est de l'agneau de mon grand-père. Oh. Je te vois venir. Tu penses, Hugo, c'est moi. Il matait des sites porno? Ah bah non. Je te matais toi, Charlotte. Une odieuse et délicieuse petite meurtrière qui m'a avoué des crimes inexpiables. Alors, je tombe sur toi qui me dit... Nous sommes tous responsables les uns des autres. Donc, toi aussi, t'es complice de mes crimes. Alors si tu parles, je te bute. Merde, l'agneau. Et moi, enflammé, brûlant, bourré de... non. Enivré de toi. Je reste baba, en haut, en hochant la tête, béatement amoureux, red dingue, quoi. Charlotte, j'ai décidé de te dénoncer aux autorités avant de me suicider. Un vestige de mon monde. Je vais désinsectiser. Des victimes comme moi. Hugo Mancier, qui habite 95 rue du Bré à Château. Tu peux même pas imaginer. Charlotte, avant de me tuer, pense à me niquer. Martine Tariol, cyberarnaqueuse. Thank you.
Tu me vois là? Moi? En face de toi? Moi, je suis une vraie actrice. Alors, soit tu me donnes un rôle, soit je te bute. Je vais te raconter ce que j'ai fait à une fille qui trahit ma confiance. Après que moi, je lui ai tout raconté. Du coup, je l'ai butée dans un champ de patates. Ouais. À mon grand-père? Je me suis fait arnaquer sur internet. Martine Tariol. Un don de Dieu. Ah, t'as fait ce que tu devais faire. Alors, moi aussi, je vais faire ce que je dois faire. Tu restes là, tortillé le cul sur ta chaîne. Alors que... Bah... Tu ferais mieux d'aller niquer ta voisine plutôt que de draguer sur internet. Mais Charlotte, c'est toi ma voisine? Je l'ai buté dans un champ de patates. Vous dansez? Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu gardes ça pour toi? Ou tu meurs? Ouais, je sais. En menaçant de te dénoncer, j'ai trahi ta confiance. Je pue la victime à plein nez. Je vais te rentrer le flingue dans l'oreille. Ça va te déchirer la...